S'améliorer. Vous êtes là pour défendre l'intérêt de vos copains et de vos copines. Et puis vous êtes là aussi pour nous dire, à nous, toute l'équipe, à moi en particulier, quand ça va et quand ça ne va pas. Il faut vraiment me dire quand ça ne va pas. N'hésitez pas, faites comme vos parents qui n'hésitent pas à me dire quand ça ne va pas. Donc n'hésitez pas, faites comme papa, comme maman, quand il y a quelque chose à dire, il faut le dire. Quand vous avez des idées auxquelles vous croyez, il faut les défendre, toujours. Quand vous estimez être victime d'injustice, il faut le dire. Quand on peut faire quelque chose pour vous, quand on doit faire quelque chose pour vous, il faut absolument, absolument nous le dire. Et vous êtes là surtout pour nous rendre service, pour nous éclairer de temps en temps, pour nous corriger, pour nous voir. Elle peut venir ici, si elle veut. Je ne vais pas dire à des enfants c'est un jeu, parce que vous risqueriez de le prendre vraiment comme un jeu. Nous, élus, nous, conseillers municipaux adultes, on devrait davantage le prendre comme un jeu, je pense. Ça nous ferait du bien de redescendre un petit peu de temps en temps. Et vous, je sais que vous allez le faire avec beaucoup de sérieux. Vous allez y mettre beaucoup d'attention, beaucoup de conviction, et j'espère beaucoup d'énergie. Alors, c'est... Alors, je vais vous lire le procès-verbal donc, des élections. Ces élections se sont donc déroulées le jeudi 21 octobre 2021. Et à 18h, le bureau de vote centralisateur de la commune d'Izon, qui était composé, entre autres, parce que nous n'avons pas pu mettre tous les noms des gens qui sont venus tenir le bureau de vote, et donc il était tenu par moi-même, par Madame Maillon, Monsieur Pruvot, Madame Martin, Valérie, Madame Aline Fontaine, Madame Audrey Combier, qui était notre secrétaire. Nous avons donc 264 élèves qui étaient inscrits, donc ce sont des électeurs. Donc toutes les classes de CM2, CM1 et CM2 sont venues voter. Il y a eu 253 émargements. 11 bulletins blancs et 252 votants. Donc, et 241 suffrages exprimés. Après le dépouillement, qui a été un peu laborieux, ont été élus, alors, en classe de CM2, Gesson, Tavernet-Gesson, Augustin, avec 64 voix. Augustin, tu peux venir.
Ensuite, toujours en CM2, Oumaïma Fadel avec 45 voix. Et de nombreuses questions vous concernent.
la sécurité routière, la santé, la culture, l'environnement, le sport, parce que c'est exactement ce qu'on retrouve là dans tous les projets que vous avez pris, enfin, les idées que vous avez mises, on retrouve très souvent ces thèmes-là. Donc c'est bien preuve que ces questions vous interpellent. Je compte donc sur votre dynamisme et votre contribution et votre imagination pour contribuer, donc pour aider à ce que ce conseil municipal des enfants soit un véritable lieu d'échange et de service, un véritable lieu d'échange, pardon, au service de notre commune. D'accord ? Donc on compte sur vous pour que vous puissiez vraiment rendre service à tous les autres enfants en étant là. Donc, dans un premier temps, on va choisir un projet. Ce projet, il va être travaillé lors de commissions. Et vous êtes élu pour 3 ans. D'accord ? Alors, je réexplique, je vais essayer d'être claire. Pour cette année, il y a 4 enfants de CM1 qui ont été élus. 4 en CM2. Les 4 CM2, vous allez passer en 6e. D'accord ? Vous serez toujours conseillers municipaux lorsque vous serez en 6e. Les 4 CM1, vous allez monter en CM2. Et l'an prochain, on va refaire des élections où on élira à nouveau 4 CM1 plus 4 CM2. Ça fait combien ? 21. Non, avant, on va arriver à 16, d'accord ? Et l'année d'après, non, parce que du coup, oui, mais tu auras toujours déjà les 8 en CM2. On aura 4 en CM1, Daniel. En tout cas, l'année d'après, c'est celui qui est perdu. Il a perdu. Celui qui est perdu. En tout cas, il y en aura 8 ans. À la fin, il y en aura. Vous êtes là si vous le souhaitez pour 3 ans. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Donc 2 ans pour ceux qui sont en CM2 cette année. Mais vous avez donc quand même le temps de construire des projets. Ouais. Même des projets compliqués. Voilà. S'il faut 2-3 ans pour sortir un projet compliqué à 500 000 euros. Non, parce que c'est sur l'idée. C'est sur le temps, c'est peut-être. Voilà. Mais bon, on ira chercher des subventions. On ira chercher des subventions, tout à fait. Est-ce que Sophia t'a envie de nous dire quelque chose? J'ai tout compris, mais non, j'ai rien à dire parce que j'aime bien. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. T'es content? Oui. Oui. Ouais. Un peu trop même. Élèves, parce que c'est vrai qu'il y a des candidats qui se sont présentés qui n'ont pas été élus, mais qui avaient aussi de belles idées. Hein? Donc du coup, peut-être qu'il y en a certaines qui étaient communes avec beaucoup de vos idées,
Mais il y a peut-être d'autres idées qui étaient intéressantes qu'on pourra peut-être mettre en avant aussi. Ah, j'ai repris une. T'en as repris une, toi ? Laquelle ? Protéger les abeilles. Ah oui. Protéger les abeilles. C'est très bien de vouloir représenter aussi les autres et de penser à eux. Alice. J'ai entendu être élue, mais je suis un peu déçue parce que j'avais des amis qui m'étaient représentés, mais ils ne sont pas fait. J'ai un peu chuté pour elle. Eh bien oui, c'est ça. Je suis contente d'être élue, mais par contre, il y a des amis qui ne se sont pas fait. Et bien, ouais. Et du coup, je sais pas. Et ça, c'est la dure loi des élections. Donc ça, c'est le début, en fait, et vous le connaîtrez quand vous allez être au collège, vous allez, alors ce ne sera pas la même chose, mais ça sera quand même des élections pour devenir délégué, et c'est pareil, il y a des enfants qui se présentent pour être délégués et qui ne sont pas élus. Et ça, c'est aussi difficile, parce que ben, ça veut dire que ben, les copains, ils vont pas voter pour moi, alors pourquoi ? Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est la déception. Et vous, vous étiez très heureux, mais je le voyais dans votre regard. Au fur et à mesure des chiffres qui montaient. Voilà. Et Jordan ? Moi, je suis contente d'être élue, mais aussi ça me fait de la peine pour les autres qui ne sont pas élus. Mais oui. Mais voilà. C'est vous qui êtes là, donc vous allez pouvoir défendre aussi leurs idées et les vôtres. Parce que vous avez quand même été élus pour vos idées. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut qu'on retienne aussi.